tricot avec l'étagère. Coucou. Coucou, je disais sur Mario et ses deux bières. Ah. Ouh. Ah. Tu penses qu'il boit quoi comme bière, Mario? Oh, c'est un italien, donc de la Peroni, je dirais. Oh putain. Ils boivent tous de la Peroni? Bah, c'est ma bière préférée en Italie. Ok. Ainsi soit-il. C'est très très étrange. Comment ça s'est fait? Bah, la manière dont... Voilà. Oui, mais c'est bizarre. Oui, alors c'est un petit peu étrange, mais ça se fait. Wouah 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 wouah. Et c'est raté. Ça va, je vais pas mourir. Wouah 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 wouah. J'aime beaucoup ce bruit. C'est un peu insatisfaisant. Je tenais à le dire. Oui. Oh, bonjour madame. Hey. Vous avez un micro-pénis. Quoi? Tu dis ça souvent aux gens? Oui. Ouais, moi je le dis beaucoup au supermarché. Bah bon. Bah oui. Pourquoi au supermarché? Bah le rayon micro. Ah, le fameux rayon micro-pénis du supermarché enfin. Mais non, c'est Micromania. T'es idiot ou quoi? Micromania, c'est Micromania, c'est pas dans les supermarchés. Ah bon? Sans rapport, bah si tu m'y fais penser, maintenant qu'on est... on n'en a pas parlé sur la chaîne, parce qu'on n'a pas fait de live là-dessus, parce que nous-mêmes, on n'était pas convaincus par la démarche de faire un live pour 7 minutes. Mais... Pokémon, tout ça, toi. Quoi? On n'en a pas parlé sur cette chaîne, là. C'est vrai. Tu vas faire une vidéo là-dessus? Non. Ou... Pas du tout. Ok. Pas pourquoi? Les bah les couilles. Bon, bah les couilles de Pokémon. Ok. Désolé, hein. Ne sois pas désolé, t'as le droit de pas t'intéresser à tout. Non mais je le boycotte en fait. Tu le boycottes? Je boycotte Pokémon. À cause de son excès de classicisme? Oui. Je comprends. Je comprends. Cette mais bite! Non. Heureusement ils sont gentils. Hein. Heureusement que c'est Mario. C'est Crash, c'est pas Mario ça. Oui c'est vrai. Non mais qu'est-ce que je te dis, c'est... Il change rien. Moi ça me saoule. Ils essayent même pas quoi. Et le pire dans l'histoire c'est que ça va se vendre quoi. Putain mais sans déconner c'est chaud. Bah ça va se vendre parce que ça va être un bon jeu. Indépendamment du fait qu'il change pas, ça sera un très bon jeu. Oui bien sûr. Oui. Mais oui, bah ça me fait chier. Oui, bah je comprends tout à fait les procès qu'on lui fait. Mais moi je comprends pourquoi il se vendra bien. Putain, mais. Qu'est-ce que. Mais sans déconner! Je vais un peu plus bas, ça change rien. Je vais un peu plus haut, ça change rien. Au bout d'un moment donné, là. Détends-toi, détends-toi. Si tu commences à paniquer, ça va. Mais je panique pas, je suis vénère. Oui, bah c'est bon, ça va, détends-toi. Moi, parler de Pokémon, ça m'énerve. Parce que j'aime Pokémon. Et j'en ai marre qu'on me réserve tout le temps la même chose. Voilà, c'est tout. Ok. Zelda a réussi à faire des trucs différents. Alors, je sais que c'est pas bien de comparer tout le temps à Zelda. Mais si on compare tout le temps à Zelda, c'est peut-être qu'il y a une raison. C'est un exemple d'un virage réussi. Et parce qu'il était attendu et demandé. Ok. Non mais je tenais à dire parce qu'il y a plein de gens qui me disent oui non, mais comparer tout à Zelda. Non non mais il y a des gens qui vont te faire les procès d'intention les plus cradingues du monde hein. T'es pas tout neuf sur YouTube, tu as compris à ce stade. Ah. Je suis certain qu'il y a des gens qui sont tellement déterminés que si tu oses comparer Pokémon à Zelda. Ils trouveront le moyen de te faire dire que t'as fait une apologie du nazisme. On en est là. C'est vrai. T'as pas tout à fait tort. C'est... Non, moi je vais m'amuser, du coup ça va être bien. Je vais le prendre, je prendrai... Boycotte-le. Oui, mais non. Mais si. Oui, mais non. Tes actions, Florian. L'engagement. Non, j'en ferai une vidéo qui va le descendre, voilà. Ce sera sans doute un très bon jeu. Oui, mais je vais descendre le classicisme, parce que j'en ai marre. Mais c'est trop classique, moi ça m'énerve. Je comprends. Moi ça me fatigue.
Non, mais je comprends, parce que moi, quand on parle de Pokémon, je suis fatigué par le retour à Kanto. Tout le temps. Bon, moi, le retour à Kanto me dérange pas. Moi, ce qui me dérange, c'est que... Alors, du coup, c'est dérangeant quand il retourne à Kanto, parce que, pour le coup, le seul truc qui changeait avant, bah, il change pas, c'est-à-dire le terrain. Mais ça me dérange pas plus que ça. Moi, ce qui me dérange vraiment, c'est que ça change même pas. On voit même plus les Pokémon dans les hautes herbes, quoi. Ça, c'était bien. C'était une idée qui était sympa. Ça faisait vivre un petit peu les hautes herbes qui étaient peut-être un petit peu tristounes dans la série principale. Moi, j'étais content quand c'est un des seuls trucs du Let's Go que j'ai vraiment apprécié. Ça donne de la vie. Ça donne de la vie. Mais oui, c'est ce que je disais. Alors moi, je disais ça tout à l'heure quand on en parlait vaguement. Avant le trailer, juste avant de voir le trailer de Pokémon, c'est Sword and Shield, Pokémon épée et bouclier. C'est Pokémon SS. Oui, après Pokémon SM. Oui. Oui, moi, je jouais à Pokémon Stadium. Oui. Non ! C'était bien les animations Stadium, vous savez. Comment il a fait pour mourir ? Moi, je comprends pas pourquoi ils font pas d'animation. Genre, ils ont vraiment décidé que le jeu serait mort. Mais pas mort dans le sens nul, mais genre... Pour l'instant, on n'a pas... Amorphe. Dans les commentaires, s'il vous plaît, faites preuve de distanciation. Nous-mêmes, on n'a pas eu plus que deux minutes de trailer. Nos positions ne sont bien entendu pas définitives. Mais quand même, on est en droit de pas être super rassuré. Super rassuré. C'est toi qui pas rassuré. Ah ! Ah non, moi je suis rassuré, moi j'ai ce que je voulais. C'est quoi ? C'est perturbant. Raconte-nous une histoire. Très perturbant. Yes. D'accord, donc tu dois aller sur tous les trucs. Hein. Oh ! Ah, comme ça. Oui. Très perturbant. Allez, avance! Ah non, c'est lui qui va. Ce sera plus pratique. Ah, c'est vrai que ça déstabilise un peu. C'est toi qui déstabilise un peu les gens. T'es déstabilisé? Un peu, oui. C'est que je suis déstabilisant. Exactement. On t'appelle père déstabilisé. Non, on m'appelle Quentin. T'as des problèmes avec les noms, hein? Bah ouais, on t'appelle pas Quentin. On m'appelle Quentin. Parce que c'est mon prénom. Il s'appelle Destabilizman. Non! Si, arrête. Après, sinon, t'as un super vilain qui va venir te choisir, toi et toute ta famille, ta femme et ton domaine. Ah! Mais non, c'est le fils du forgeron qui va venir nous chercher. Que dalle. D'où tu peux avoir un fils de forgeron? Oh, bonjour, petit. Ça, je prends. Penses-tu que le combat sera dans la vallée? Il y a de fortes chances. Si tu faisais un combat, est-ce que tu le ferais dans la vallée? Dans la vallée de Dana, alors. Allez! J'aime vraiment beaucoup cette chanson. Malgré que ce soit jamais plus que l'histoire d'un mec qui a survécu parce qu'il se tapait une queue dans les tours. Quoi? Bah, la vallée de Dana. Le texte de la vallée de Dana, c'est que... Bah, il y a un mec, il branlait rien, il était dans les fourrés, il y avait une bagarre, il a survécu. Ah! Ok. Les barbares, ils sont venus tout péter chez lui, ils sont partis. Ils ont pas pillé, hein. Ils ont rien volé, ils ont juste tué tout le monde avant de partir. Oh, ok. Ces jours de haine où l'homme se traîne à la limite du règne du mal et de la haine. Quoi, la niqueux? Bah, alors, je suis désolé si je suis pas très bavard, mais là, c'est juste que ça me renverse un peu le cerveau, ces histoires. Non, non, mais y a pas de souci, t'inquiète. Allez, monte. On peut pas être à fond, entre. Ouais, si. Ça fait un Sinon, doute. Sinon, j'allais mourir. Sinon, t'allais mourir. Non, on va rester là. Non, 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 non. Là. Je suis désolé, Bon, je vais indiquer avec mon doigt où tu dois te mettre. Comme ça, tu peux réfléchir en même temps, oui, tu non, peux parler mais... en même temps. C'est très compliqué. Pas de soucis, c'est un peu déstabilisant, c'est pas facile de parler et jouer en même temps, je comprends. C'est juste, en plus les directions sont cheloues.
là t'es bien. Là, là-bas. Non. Bah, là, du coup. Allez. Voilà. Et je reste là ? Tu la vas là. Tu la vas là ? Tu la vas là. Tu la vas là. C'est compliqué quand même. Ah oui, parce que ça pousse dans ce sens-là. Mais là, et voilà. Putain, et le retournement de cerveau que je me fais, c'était compliqué. Désolé. Pas de soucis, pas de soucis. Ah. Le principal, c'est quand même que tu passes un bon moment. Moi, je trouve ça vachement bien. Ouais, mais là, enfin, ça me demande trop de temps de cerveau, là. Ok. C'est le petit con. Coucou, je suis un petit con. Tu penses que ça a été proposé comme nom? Petit con. Petit con. Pendant la réunion chez Nintendo. Mais si, vous savez, les petits cons, là. Les petits cons qui finissent les épisodes. L'humain est petit con, là. Au revoir. Bisous.